Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'appel ou quoi que ce soit. Ça me manque de pas être sur Terre et de voyager. Très longtemps. En tout cas, j'ai besoin de faire quelque chose. Et toi, le tardiste, t'aurais pas quelque chose à me faire, à me demander à faire? Non? Bon. En tout cas, je vais pas rester là à rien faire. Y a-t-il quelque chose à faire? Oh, tiens. Le tardiste a trouvé quelque chose. Intéressant ça. Wow. C'est pas ouf ouf hein. Bon. C'est pas ouf ouf ici là. Bon alors. Pourquoi tu m'as amené ici toi? Y a rien d'intéressant ici, est-ce que je voyais? C'est bizarre. Très bizarre. Je ne vois rien d'intéressant. C'est bizarre tout ça. Il y a quoi à l'extérieur? Je peux pas ouvrir. Bon, ça doit être coincé. On va pas essayer de forcer. Mais il n'y a rien d'intéressant là ici. C'est pas normal. Pourquoi tu m'as amené ici, le Tardis? Il n'y a rien d'intéressant à part de l'eau. On dirait qu'on est en dessous de la Terre. Je dirais aussi un truc spécial en haut. Je sais pas ce que c'est. Oh. Oh. Oh là, c'est froid ça surtout. On va vite sortir de là. Non, la tardiste t'as fait n'importe quoi. Pourquoi tu m'as amené ici? Il n'y a rien d'intéressant à visiter. C'est n'importe quoi. J'aimerais bien savoir pourquoi tu m'as emmené ici. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. C'est tout vide. Tu m'as juste emmené dans de l'eau. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Hein? Ah, je le saurai jamais avec toi. Ah, putain. Bah, putain, mais tu sonnes encore, c'est une blague. Encore une nouvelle destination? Aïe, 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 aïe. Bon, allons-y voir. Ça peut me pas rien m'étonner d'aller aller voir. Bon. J'espère que cette fois-ci tu vas m'emmener dans une bonne destination parce que la dernière destination que tu m'avais envoyée, elle était nulle. Le SOS que tu m'as envoyé était nul. Il n'y avait rien d'intéressant là où je suis allé. Il n'y a vraiment rien, rien de plus stupide qu'une machine qui n'est pas capable de faire son boulot correctement. Alors s'il te plaît, tu ne me déçois pas cette fois-ci. J'ai envie de sauver l'univers, j'ai envie de faire quelque chose. Alors s'il te plaît, ne me déçois pas et emmène-moi dans une destination où le SOS est... intéressant. D'accord. On atterrit. T'as intérêt à pas me décevoir. Je te le dis tout de suite. Non mais... Bon, faut que je trouve cette putain de sortie. Putain, y a du sang, sa mère. Parce que c'est... Y'a rien. C'est quoi ce truc? Je vais voir si je peux ouvrir. Qui êtes-vous? Je suis le docteur, mais vous, vous êtes qui? Pourquoi vous avez ouvert la porte? Non, pas encore un docteur. Mais je sais pas, j'ai vu cette boîte et tout ça, mais je cherche à m'échapper en fait. Ah, d'accord. Ok, bah moi je viens d'arriver en fait de mon côté, c'est pour ça. D'accord, mais j'espère que vous êtes pas docteur, docteur, genre, vous faites des expériences et tout ça. Quelle expérience?
Et on m'a fait plein d'expériences sur moi, c'est pour ça que j'ai cette figure et ça. Je vois votre C'est pour ça que record. je suis un Attendez, deux peu secondes. noir. Bougez pas, ne bougez pas. Ouh, putain. Vous avez été exposé à énormément de chimie, dis donc. C'est pas normal, ça. Oui, on m'a fait plein de choses bizarres. J'ai rencontré des espèces, c'était pas humain du tout. C'était hyper bizarre. Bon, j'ai risqué ma vie. D'accord, bon, attendez. Je vais verrouiller le TARDIS. Hop. Voilà. Et c'est quoi cette boîte? Comment vous êtes venu ici? C'est le TARDIS. C'est mon TARDIS à moi. Voilà. D'accord. Bon, bah, faites-moi visiter ces lieux. On va dire qu'on va essayer de visiter ce côté. Alors visiter, ça va être compliqué parce que genre j'essaie de m'échapper, j'ai trouvé quelques portes, mais genre D'accord. Alors, c'est assez vide, on va dire, de ce côté-là. en pente, faites gaffe parce que je suis pas sûr qu'on soit seul. Ah, ben on verra, j'aime bien l'aventure. Mais quand je vous parle de genre on est vraiment pas seul, genre il y a des bestioles bizarres en fait. Des bestioles bizarres, comment ça? Des choses pas humaines comme je vous ai parlé. Oh, des aliens, putain, ça fait longtemps que j'en ai pas Non, vu. non, non. Ce sont pas des aliens. Ce C'est pas des sont aliens. des. C'est Non, non, bizarre ce pour des sont des choses qui ne choses sont très pas des aliens. bizarres qui peuvent vous tuer en moins de 2 secondes. C'est bizarre pour que ce soit des choses qui ne sont pas des aliens. C'est bizarre. Bon. Je sais pas comment on peut appeler ça, En tout cas, c'est pas humain. C'est tout ce que je sais. D'accord. Et c'est énormément grand ici, dis donc. Ah oui, ah, ça me rappelle un truc, cet endroit. Ça, c'est le. Alors, attendez, si je me rappelle bien, je crois. Si. Donc, vous avez vécu Alors, combien de si. temps ici? Je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas quelle date on est. Nous sommes le... D'ailleurs, je ne sais pas de quelle date nous sommes en fait. J'ai atterri ici, mais le TARDIS ne m'a pas dit la date. J'ai même pas vérifié en fait de mon côté. On doit être à peu près... Attendez. 1968. Ça fait très spatial, on va dire. Parce que c'est. We are here to protect you. Ok. Bon, voyons voir ce qu'on a aux alentours. C'est pas fabuleux, Non, fabuleux. n'allez pas ici, n'allez pas ici, vaut mieux pas. D'accord. Parce qu'il y a des gardes encore. C'est jamais dans ce site. C'est vachement Voilà. grand. J'espère que je vais pas perdre mon TARDIS, dans tous les cas où je pourrais le piloter à distance, c'est pas un souci. Est-ce que vous avez pas une arme ou un truc Je ne porte jamais d'armes de mon côté, j'ai horreur de ça. Vous avez aucun truc pour vous Juste protéger mon quoi. tournevis sonique, c'est tout, c'est nickel. Et ça sert à beaucoup de choses ça ou pas? Ça peut servir à beaucoup de choses, si on sait s'en servir correctement. C'est même moi qui ai créé cet objet d'ailleurs. Il n'y a qu'une porte ici. D'accord. Putain, non. Ah, attendez. Oh non, ça me rappelle trop de mauvaises choses. Non, il n'y a rien d'intéressant. C'est Comment ça se fait que c'est. On est vachement déjà grand. passé par là? Je n'en ai aucune idée, je m'en souviens pas en Pourquoi tout les cas. portes sont ouvertes? Je sais pas. J'ai pas trop envie d'y aller là. Ouais. Bon, J'ai venez peur que avec les moi. gardes se soient pas Suivez-moi, fixés. taisez, suivez-moi, taisez-moi, et enfin taisez-vous en tout cas. Et on va voir de ce côté-là. Bon, nous voilà ici, je sais pas ce que c'est ici. Bon, je vais ouvrir parce que j'ai réussi à choper une carte par terre et tout ça. Je crois qu'il y a un garde là. Laissez tomber. Allez-y. Passons voir. Donc, je saisis normalement. Ils ont pas. Normalement. Si je suis sorti, c'est parce que il y a beaucoup de. Enfin, vu que je sais comment ça s'appelle exactement les monstres, ça s'appelle des SCP, j'ai entendu parler. Donc, si en fait, si je suis sorti, c'est parce que. Ah, oh, attendez, Des fois, il attendez. y a des SCP qui sont Attendez, attendez, déconfinés. bougez pas, bougez. Il y a quelque chose derrière cette porte qui m'inquiète. Ouais, ben. Alors, je vais juste ouvrir la porte et je la referme très vite si c'est quelque chose que je connais. Allez-y. Oh putain Waouh! de merde. Non, 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 n'y allez C'était quoi pas. ça? C'est
C'est un tout, putain. Faut pas la regarder. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas la regarder. D'accord. Vous C'est la génial. regardez, vous mourrez. Et comme on vient C'est... juste de la regarder, ben, il peut péter la porte et nous buter. Donc c'est ou on se casse très vite, ou on meurt. C'est très intéressant tout ça. Je vous Il propose faudrait juste peut-être se deux secondes. dépêcher là. Non, deux petites secondes, il faut que je retourne à mon TARDIS rapidement. Ouais, je vais fermer vite les portes derrière vous. Ah, par contre, où est-ce que c'était? Par là peut-être. Sur ces portes. Non, c'était pas par là. Non, C'est c'était par par là. ici. Venez. Vous avez trouvé? Oui, tout. Vas-y, je vous suis. Je crois que c'était ici. C'était là. Là. Ben non, on a fait le tour. Ici, ça doit être Rien. par là. Et après, c'était par ici. Et par Non. ici. Si, c'était C'est par là! ici. Ah oui. Voilà. C'était pas. Voilà. Tu dois Oh vite faire putain. tourner. Hop. Je vais juste prendre un truc rapidement. J'ai besoin que mon TARDIS soit linké à mon tournevis au cas où si j'ai besoin de lui. Venez. Sinon, est-ce que vous pourrez partir avec votre engin? Comment ça? Est-ce qu'il y a moyen de partir avec votre engin? Y a moyen de partir, hein. Y a pas de souci là-dessus. D'accord. Je vous Alors, dans... ramènerai sur une planète où je connais des gens qui sont très bien qui pourront s'occuper de vous en tout cas. Oui, bah, faudrait qu'on se barre très vite avant de crever, hein. Déjà, il faudra essayer de comprendre ce que c'est cet endroit et pourquoi tant de maltraitance en tout cas dans ces lieux. Je vais vous dire pourquoi, parce que je sais ce que je suis, c'est que je suis un prisonnier et tout ça, et je suis condamné à mort de base. Pourquoi vous êtes condamné à mort? Ce serait complètement con. J'ai fait quelques crimes. Condamné à mort pour utiliser de la chimie, c'est n'importe quoi. Non, j'ai Les fait humains quelques deviennent crimes, je vous ai dégradants à ce dit. point. De quoi? J'ai fait quelques crimes, je vous ai dit. Oui, mais à ce point-là, pour avoir ce genre de problème, ce n'est pas normal. Ah oui, mais. Nous sommes pas dans un pays très très Non, je suis très très perdu. Ce n'est très pas très par ici. facile à vivre. Ça va, les États-Unis, c'est chaud en ce moment. C'est C'est sûr. très très chaud. Alors, il faut savoir quand même que vous avez normalement votre droit hein, à ça. Eh oui, mais non. C'est bon, on C'est est un lieu complètement très perdu. très gardé Non. Alors, on n'est par pas le allé par là. gouvernement. C'est par là. Et ça ne peut être que par Putain, j'ai vu un truc passer. là. C'est là. Monsieur, faut vite partir. Vous êtes sérieux? J'ai vu la chose passer. Il faut qu'on me voie. Faut vraiment qu'on sorte de là. Je vais voir de mes propres yeux. Faut se dépêcher, j'ai vu la chose partir. Bon. Bon, on n'ouvre pas cette porte, du coup, Non, parce que la porte ne doit pas je ouvrir. crois que les gardes l'ont refermé. Parce qu'ils l'ont pas, ils ont plus vu Le le. SCP-106. Oh putain, non, non, mais C'est derrière cette porte? non. Non, mais. Oh, putain, putain, vous êtes vraiment dangereux. Moi, je reste Oh, ici. j'aime le danger, j'aime d'or, ça Je me ne tue. bouge pas d'ici. Restez là-dedans si vous voulez. J'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir en tout cas. Wow. Putain, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, voyons voir ce qu'il y a. Mais tout. Bon, quelle est cette chose? Rien d'intéressant ici. C'est normal qu'il y ait un intéressant monsieur. Le CP est parti, putain, il traverse les murs. Donc le mieux ce serait de s'enfuir le plus rapidement possible, c'est ça? C'est ça, parce que Eh ben là, il y a alors, tout, il y a pratiquement tous les CP qui sont sortis. je vous propose qu'on y aille tout de suite alors. Je vous ramène avec moi dans le TARDIS. Faut vite qu'on se dépêche avant que les gardes nous trouvent. Ou un SCP.
J'ai quand même envie de faire un truc. Non, moi je me casse de là. Il est là toujours le SCB. Waouh. Putain, il est parti. Il est où? Putain, non. Putain, il va nous faire chier. Il va nous chercher, c'est quoi? Et il est où? Je sais pas, mais faut pas s'approcher. Le mieux serait de retourner vers le TARDIS tout de suite. Si encore je me souviens de la destination, c'est par là. Ouais, c'est par là. Et c'est là. Vous venez? J'ai pas très très confiance. On verra de toute façon. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire que d'avoir quelque chose devant... Oh putain! Oh putain de merde, sortez vite! Vite. Putain, il va essayer de détruire toutes les portes, On se casse d'ici. On se casse de là, vite. Il faut que je trouve une salle où je peux faire atterrir le TARDIS. Là! Ouais. Non, pas là. Plus grande. Là, là, ici, là. Là, là-dedans, ici. Ah, s'il te plaît, tu ne me fais pas de conneries, s'il te plaît, tu viens là, j'ai besoin de toi maintenant! Non, pas maintenant, il est pas là! Putain. S'il te plaît, je suis là, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin là, de ici. Toi. Là. Où ça? Parfait, là, attends, s'il te plaît, s'il te plaît, tu ne m'abandonnes pas, s'il te plaît! Oh! Putain, c'était. Je l'entends déjà. Voilà, le TARDIS. Vite. Je l'entends déjà, mais vite. Allez, vite, on y va. Go. Fermez la porte. Merci. Allez, hop, attention. Hop. De toute façon, il pourra pas rentrer à l'intérieur, ce sont des portes sécurisées là-dedans. Non mais... je crois que vous le connaissez pas. Oui mais je crois que vous ne connaissez pas mon TARDIS non plus, de ce côté là. Il n'a jamais ré... Aucun Dalek n'a jamais réussi à rentrer. Oh là. C'est passé quoi là? Vous allez me dire que vous avez déjà vu des choses comme ça aussi terribles? Pire que ça, je pense que oui. Allez, on décolle. Waouh. Je vais m'asseoir. Allez-y. Est-ce que je pourrais... Où est-ce que je peux vous ramener? Je sais pas, mais très loin d'ici. Où je pourrais me faire soigner. J'ai énormément de boulot. J'ai peut-être gagné une planète pour ça, mais bon. Ça reste à voir. Si vous le voulez, bien sûr. Ouais, je veux juste me faire soigner. Me faire aider. Essayer de tout oublier ce que j'ai passé ici. Destination, la Terre en 2002, ça vous dit? Je connais un endroit très sympa où ce sera nickel. C'est parti. Et voilà, nous sommes arrivés. Oh putain, enfin, il est temps. Bon, ça devrait aller normalement l'endroit. Venez avec moi. Vous allez aimer, franchement. C'était un sympathique endroit. J'espère. Oui. Oh. Oula. Qui sont ces gens? Ce sont des amis, ce sont des médecins. Ils seront là pour vous aider, pour vous soigner en tout cas. Pas pour vous blesser en tout cas. Ça c'est sûr. Voilà. Non, vous en faites pas, ce sont des amis qui sont très très sympas et puis en tout cas vous serez en sécurité ici surtout. Vous serez en sécurité. Puis surtout la ville est sympa. Bon, faites pas de gaffe à quelques débris mais voilà, la ville est sympa, vous serez tranquille ici de ce côté-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans cette. Faudra vous y habituer mais vous serez déjà tranquille et puis vous aurez pas de. Comment dire? De problème ou quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que vous aurez de la nourriture? Parce que bon, ça fait une éternité que j'ai pas... Il faudra leur demander au médecin. Moi de mon côté, il va falloir que j'y aille de ce côté-là parce que j'ai encore d'autres choses à faire de mon côté. En espérant que vous arriverez à vous en sortir. Si seulement. J'espère. Dans tous les cas, vous êtes où?
Là, Ah. je vais descendre. D'accord. Bon, j'espère que ça va aller. Si vous n'avez le moindre problème, prenez ce numéro de téléphone, enfin, ce papier avec le numéro de téléphone. Vous leur demanderez un téléphone au cas où ils vous en prêteront un, il n'y a pas de souci. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord? Pas de soucis, Voilà. j'hésiterai pas. Surtout, regardez de l'extérieur, vous allez aimer. Merci beaucoup de m'avoir aidé en tout cas. Il n'y a pas de souci. Bonne chance à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, alors Tardis, on décolle maintenant. Et cette fois-ci, je veux des vacances. Beaucoup de vacances. C'est parti.